Je m'appelle Léo Farine, j'ai 23 ans, je viens de Bouécourt, du Jura. Donc j'ai fait mes classes au Team Jura, après je suis venu à Neuchâtel Xamax en M17, M18. Ensuite il n'y avait pas encore de M21 à cette époque, du coup je suis retourné en deuxième ligue inter au FC Basse-Cour, par la suite au SR de Leymon, et ensuite j'ai fait mon retour à Neuchâtel Xamax pour après être prêté 6 mois à Chaux-de-Fonds et une année à Bellazone. C'est déjà un club qui est très aimé au jeu au Tessin. Il a eu malheureusement une faillite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans du club. On jouait, même si c'était Promotion League, tous les week-ends avec 1000 supporters à domicile. À chaque match extérieur, ils venaient. C'est vraiment un club qui est aimé, quoi. On est beaucoup des fois à se dire, dans le foot, ça peut te permettre de jouer à l'étranger. Des fois, ça titille un peu. Et là, en fait, c'était l'occasion d'aller jouer loin de la maison, mais en restant en Suisse et découvrir une nouvelle région, une langue que je ne connaissais pas et que j'ai pu apprendre. Aussi une autre manière de jouer au football, un peu plus à l'italienne. Très solide, en tout cas pour l'année passée. Solide et puis rapide en contre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup gagné de matchs avec énormément de goals de plus, mais c'était des matchs qu'on était solide et puis des individualités qui faisaient la différence. L'équipe venait de monter en Promotion League. C'est le but de monter encore plus, d'atteindre la Challenge League, peut-être plus après. Et les fans le veulent et avec les joueurs qui sont revenus, y a les moyens, en tout cas sur le terrain, de monter, quoi.